Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être présents avec nous ce soir pour la séance du Conseil municipal sur le budget 2021. Alors, 16 décembre 2020 à 19h, à l'ordre du jour, au point 1, adoption de l'ordre du jour, au point 2, adoption du budget 2021, au point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation, au point 4, publication du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation, et au point 5, période de questions. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 2, adoption du budget 2021. Alors, encore une fois, je pense que ce qui est toujours pressé d'entendre par les citoyens, c'est évidemment, est-ce qu'il y aura une hausse de taxes pour la ville de Percé en 2021? Alors, je vous annonce encore pour une deuxième année consécutive un gel de taxes. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour l'année 2021. Alors, sans plus tarder, je démarre. Alors, aux revenus. Pour la taxe sur la valeur foncière, donc résiduelle, 2 597 710. Il y a une petite augmentation par rapport à l'année passée, mais ce qu'on voit, ce n'est pas une augmentation de taxe, là, c'est vraiment une augmentation de la richesse foncière. Immeuble non résidentiel, 792 555. Immeuble de 6 logements ou plus, 50 935. Immeuble industriel, 46 785. Terrain vague desservi, 17 810 pour un total de taxes foncières générales de 3 505 795, qui est une augmentation là, par rapport à l'année passée là, de 2 %, mais comme je vous dis, là, c'est vraiment au niveau de l'augmentation de la richesse foncière. Dans les taxes de secteur maintenant, aqueduc, 90 280. Traitement des eaux usées, 15 280, qui est relié aux travaux qui ont été faits là, sur l'usine d'épuration, des travaux de 15 280 là, qui sont redistribués là, chez les gens qui sont... le service d'aqueduc. Donc, c'est une deuxième taxe de secteur. Et l'assainissement des eaux... à 1 560 pour un total de taxes de secteur de 107 120 $. Ensuite, un total des taxes sur la valeur foncière de 3 612 915. C'est une augmentation de 2,54 %. Taxe sur une autre base, tarification pour services municipaux. L'eau, 217 360. Matière résiduelle résidentielle, 485 000. Il n'y a pas non plus d'augmentation là, sur les taux unitaires là, pour les matières résiduelles. Matière résiduelle non résidentielle, 116 910. Traitement des eaux usées, 200 200 $. Traitement des eaux pour Cap d'Espoir, 14 400 $ pour un montant total de 1 033 870. Ensuite, il y a service d'urgence 911 qui a été là, replacé dans les comptes de Grand Livre là, pour un montant de 8 000 $. Si on voit là, si vous voulez voir les comparables avec l'an passé, c'est qu'il était, là, placé dans une autre ligne budgétaire. Donc, pour un total de taxes de 4 654 785. Maintenant, paiement tenant lieu de taxes pour le gouvernement du Québec, taxes sur la valeur foncière, 358 363, compensation pour services municipaux, 41 520, compensation pour les terres publiques, 31 818, immeubles des réseaux, cégep et université, 10 100, et écoles primaires et secondaires, 42 000. Donc, encore une fois, là, une augmentation de 4 % pour un total de 483 801. C'est encore une fois là, l'augmentation de la richesse foncière, là, de l'augmentation des évaluations. Gouvernement du Canada maintenant, taxe sur la valeur foncière, 11 580. Compensation pour services municipaux, 2 650 pour un total de 14 230. Donc, le total des paiements tenant lieu de taxes. Au fait, les tenants lieux de taxes, là, pour expliquer, c'est tout ce qui n'est pas là, résidentiel, commercial. Là, c'est vraiment tous les bâtiments là, qui sont gouvernementaux. Ce ne sont pas des taxes, c'est des tenants lieux. Donc, c'est comme un peu tenant lieu de taxes, un peu le remplacement. C'est l'équivalent dans les faits. Donc, pour un total de 498 031. Dans les transferts, transfert de droits, péréquation. Là où le bas blesse, n'est-ce pas? Alors, 377 317.
C'est encore un chiffre qu'on attend d'année en année, hein, qu'on ne sait pas exactement. C'est le montant que le gouvernement provincial nous transfère dans les municipalités, qui est calculé en fonction de la richesse foncière, qui est calculé en fonction de la différence de notre richesse foncière sur les années précédentes, avec aussi là, des calculs vraiment très fastidieux en fonction de la diminution ou de l'augmentation des richesses foncières dans l'ensemble du Québec. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc, quand on reçoit le montant, on n'a pas nécessairement une idée de qu'est-ce qu'on va avoir. On a une augmentation, une diminution. Et bien voilà, pour 2021, on a une réduction de 169 000. Donc, on a 377 000, je vous disais, l'an passé, on avait 546 000. Donc, évidemment, il faut réajuster le budget en fonction de ce montant-là que nous ne recevrons pas pour 2021. Ensuite, dotation spéciale de fonctionnement, 27 667, donc pour un total de transferts de droits de 400 984, qui nous fait là, une baisse totale là, au niveau de transferts de droits de 170 000 quand même. C'est 25,89 % de réduction. Ensuite, transfert entente, partage de frais, transport réseau routier, 299 700. Subvention eau potable, égout, intérêt, 49 500. Redevance sur élimination, 30 000. Redevance sur parc éolien, 100 000. Aménagement et développement, aide, conseil, 59 000. Ça provient du ministère Culture et patrimoine. Donc, on va retrouver plus loin dans le budget, dans les dépenses, c'est l'embauche d'un employé qui est subventionné. Donc, on a dans les revenus le 59 000 pour payer une partie du salaire de l'employé en question. Ensuite, subvention, aménagement, récréo, intérêt, c'est 65 500. Un peu le même principe. C'est un remboursement sur une subvention que nous, on octroie dans les institutions financières. Donc, on les a dans les revenus pour compenser avec la dépense plus loin. Donc, pour un total de transfert de 1 008 684. Services rendus, administration générale, 4 000. Sécurité publique, 15 000. Transport, entretien d'hiver, stationnement, 745 000. Hygiène du milieu, 8 000. Aménagement, urbanisme et développement, 1 000. Loisirs et culture, 28 000 $ Donc, pour un total de services rendus de 801 500. Imposition de droit, licence et permis, 6 000 $ Droit de mutation mobilière, 60 000 $ On l'a augmenté cette année parce qu'on était toujours... Ça, c'est des prévisions. Dans le fond, on ne peut pas savoir exactement encore quels seront les retours sur les droits de mutation pour l'année à venir. Mais on constate là, vraiment qu'il y a une hausse. Là, donc, on a augmenté de 20 000 $ là, ce poste budgétaire-là. Ensuite, droits carrière et sablière, 20 000 $ pour un total d'imposition de droits de 86 000 $ Ensuite, intérêts bancaires et arriérés de taxes, 75 000 $ pour un total de revenus de 7 124 000 Pour les charges maintenant, donc administration générale, conseil municipal, 195 147, gestion financière et administrative, 564 056, greffe, 249 130, évaluation, 167 900, gestion du personnel, 13 000 et autres, 98 658 pour un total de 1 287 891. C'est une augmentation de 11 % mais à ceci, il y a entre autres l'employé, notre procureur qui a été embauché, lequel on voit aussi là, les services juridiques qui ont été réduits là, dans un autre poste budgétaire. Ensuite, sécurité publique, police, 228 012, sécurité incendie, 260 750, sécurité civile, 2000 et autres, 8 300 pour un total de 499 062 pour les services publics. Transport, voirie municipale, 828 780. Enlèvement de la neige, 982 620. Il y a une augmentation qui est, entre autres, par l'augmentation du nombre d'employés, là, entre autres. Éclairage des rues, 30 000. Ça, je suis contente de le dire aussi parce qu'on a passé de budget 2020, 40 000, qu'on avait déjà réduit là, suite à nos nouveaux systèmes d'éclairage. Puis on était là, à 60 quelques mille, là, si je me souviens bien, là, en 2019. Donc, c'est quand même une belle réduction. Là. Ça vaut la peine d'avoir fait cette transformation-là.
Circulation et stationnement, 10 000 $. Transport collectif, 35 439 pour un total de 1 886 839 au niveau du transport. Qui est relativement la même chose là, que l'année passée. Dans le total, au fait, là, on est à 0,97 % d'augmentation versus le budget de l'année passée. Maintenant, hygiène du milieu, approvisionnement et traitement de l'eau, 132 250. On a une augmentation un petit peu ici qui sont dues à certains bris là, au niveau de l'aqueduc. Donc, on a budgété un petit peu plus cette année. Réseau de distribution de l'eau potable, 94 000. Traitement des eaux usées, 205 220. Réseau d'égout, 27 180. Traitement des matières résiduelles, 592 317. Et là, écoutez, j'ai un petit message d'intérêt public, je pense, à vous mentionner. Le traitement des matières résiduelles, c'est une régie qui s'en occupe. Ce n'est pas la municipalité qui s'en occupe, donc c'est une quote-part que nous, la municipalité, qu'on prend de vos taxes, entre autres sur les unités de matières résiduelles, de compostage, de recyclage, qu'on transfère à la MRC, parce que c'est la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé qui sont propriétaires de la régie intermunicipale. Cette année, ce qu'on a constaté à la régie intermunicipale, c'est une augmentation des frais qui a été compensée par un surplus qui avait été accumulé parce que tous les maires de la MRC s'entendaient pour ne pas augmenter le montant par unité. On ne voulait pas qu'il y ait d'augmentation de ces frais-là en 2021, donc on est allé chercher une partie dans les surplus. Toutefois, ce qui est vraiment important de mentionner, c'est que c'est 80% de notre 82, je pense, % de notre quote-part de la MRC, que la municipalité donne à la MRC pour les services rendus, qui sont les matières résiduelles. Et ce qu'on a aussi constaté à la MRC et à la régie intermunicipale, c'est qu'il y a une diminution de la participation des citoyens. Donc, c'est ce qui fait, entre autres, que les frais sont augmentés. Les gens recyclent moins bien qu'avant. Au centre de tri, il y a des trucs qui se retrouvent dans les bacs bleus qui n'ont absolument pas d'affaires là. Il y a des trucs qui se retrouvent dans le compost qui n'ont pas d'affaires là. Donc, je vous demanderais à tout le monde, les citoyens, tout le monde, soyez vigilants, soyez attentifs, tentez de vous conformer le plus possible parce que c'est vraiment nous qui payons la facture. C'est chaque individu, là. C'est pas la ville qui paye, ça fait partie des taxes. Donc, il faut se conformer. La régie est en campagne de sensibilisation présentement. Vous avez reçu dans vos boîtes à mail un nouvel outil pour vous outiller, pour continuer d'éduquer les gens, continuer d'éduquer nos enfants à faire le recyclage de façon adéquate. Plus les individus, plus chaque citoyen va bien participer à ce tri, bien, moins la facture sera élevée dans les années à venir. Donc, je vous sollicite, tout le monde, à faire bien attention au triage de nos matières résiduelles. Je reviens au budget maintenant. Alors, environnement, 6 250 pour un total de 1 057 217 pour l'hygiène du milieu. Santé et bien-être, logement social, 13 000 Politique MADA et famille, 25 000 Donc ça, c'est un nouveau poste budgétaire qu'on a mis cette année, qu'on a intégré. Il y a la politique MADA qui a été reformulée cette année. Elle n'est pas encore adoptée. Elle est travaillée dans chacune des municipalités pour être en place là, quelque part en 2021. Je pense que ça avance très bien, Mme Réel. Vous êtes sur le comité. Donc, on a réservé un montant de 25 000 pour MADA, qui est municipalité amie des aînés, et aussi la politique familiale qui va être à renouveler en 2021. Donc, on a déjà budgété un montant pour faire des actions là, qui vont cibler les familles et les personnes âgées. Alors, 25 000 $ pour un total santé et bien-être de 38 000 $ Aménagement, urbanisme et développement maintenant. Donc, aménagement, urbanisme et zonage, 240 943. Industrie et commerce, 70 899. Tourisme, 383 545. Récréo-touristique, 333 070. Biens patrimoniaux, 149 349. C'est la fameuse là, subvention salariale qu'on a pour l'employé là, qui était mentionnée un petit peu préalablement, pour un total de 1 177 801 $ Loisirs et culture. Pour les centres communautaires, 88 130 $ Autres activités récréatives, 92 350 Bibliothèque, 22 395 Autres activités culturelles, 78 300 qui est aussi là,
qui fait partie de notre entente avec le ministère de la Culture et du Patrimoine. Donc, à chaque fois que nous, on met des sous, il y a aussi là, le ministère là, qui met une plus grosse partie. Alors, pour un total de loisirs et culture de 281 175. Frais de financement, intérêt sur dette à long terme, 233 000. Frais d'émission, 21 100. Intérêt, emprunt temporaire et frais bancaires, 15 000 $ pour un total de 269 100 $ pour un total des charges de 6 497 085. Je continue. Conciliation à des fins fiscales. Remboursement de la dette à long terme, 543 580. Transfert à l'État des activités d'investissement, 50 000 $ Fonds réservés, 178 835. On a créé là, d'ailleurs dernièrement là, un fonds réservé qui était avec l'argent de nos stationnements. Hein, on a réservé un 70 000 pour ça. Et l'affectation du surplus de 145 500. Donc, pour arriver à un total de conciliation des fins fiscales de 626 915. Je reviens à l'affectation du surplus de 145 500 $ Donc, c'est ce que nous sommes allés chercher dans les surplus accumulés de la municipalité pour arriver à un total de charges et conciliation des fins fiscales de 7 124 000 pour présenter un budget équilibré. Alors, voilà pour le budget 2021 de la Ville de Percé. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Bella. Donc, ceci... Et cela. Maintenant, au point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation. Excusez-moi, j'ai beaucoup de papiers ce soir. Alors, programme triennal d'immobilisation, donc c'est pour les trois années à venir, c'est toute l'achat d'équipements, d'immobilisation, donc tous les investissements en actifs de la Ville de Percé. On a toujours à chaque année une prévision sur les trois prochaines années, donc 2021, 2022 et 2023. Donc, en investissement en sécurité incendie, pour 2021, 40 000 $ qui est une camionnette là, de service, donc un véhicule de service. En 2022, 250 000 $ et en 2023, 250 000 $ Donc, ce sont l'acquisition de camions pour un total de véhicules sur les trois prochaines années de 540 000. Deux caméras imagerie thermique. Donc, c'est l'achat se fait en 2021 pour un montant de 4 000 $ Donc, un total de 4 000 $ pour les trois prochaines années. Ventilateur à pression positive, 8 000 $ pour un total de 8 000 sur les trois prochaines années. Canon et accessoires, 3 600 $ pour un total de 3 600. Donc, c'est des achats là, qui ont lieu en 2021 uniquement. Défibrillateur semi-automatique, 1 500 $ Génératrice, 3 500 $ Donc, en 2021, pour un total de 60 600 $ En 2022, 250 000. T'as pas le bon. C'est pas le... J'ai pas le bon. Moi, c'est... Tu as le détaillé. J'ai le détaillé. Ouais. Oui. C'est un peu fastidieux. OK. Fait que je ne détaille pas, c'est correct? C'est bon. Ça prend juste un petit peu plus de temps? Ça prend un peu plus de temps. C'est bon, mais j'ai l'autre aussi. Pas de problème. C'est bon. Alors, bon, écoutez, je reviens à 2021. Donc, si je regroupe là, tous les petits détails que je vous ai donnés dans les caméras, ça s'appelle équipement quand j'ai regroupé. Pour un total en 2021 de 60 600 $ 2022, 250 000 2023, 250 000 pour un total d'achat d'équipement d'immobilisation de 560 000 sur les trois années. Travaux publics. Véhicules. 2021, 42 000 véhicules de service. 2022, 524 000. Monsieur Kekou, est-ce que vous voulez donner des détails? Oui, donc en 2022, on a l'achat d'un camion et puis d'un tracteur. C'est ce qui fait le total de 524 000. Parfait. Et 2023, 447 000. Donc, 1 013 000 pour un total sur les trois années. Oui. Donc, on a l'achat d'un autre camion d'IO et puis aussi une chenillette pour pouvoir déneiger le centre-ville de Percé. Super.
Et ce qui est bien aussi, hein, M. Cacou, puis je le précise, c'est que maintenant, on a vraiment mis en place un système de vérification de nos actifs, ce qui nous permet vraiment là, de bien planifier l'achat et de vraiment bien rotationner là, sur une prévision triennale. Au niveau des équipements, 2021, 275 000, 2022, 77 000 et rien de prévu pour 2023 pour un total de 352 000. Et là, vous imaginez qu'il y a du détail dans l'équipement, mais je vais vous en épargner. Amélioration du garage. En 2021, 645 000. Donc ça, je veux quand même qu'on en parle un petit peu. Je vous laisse aller, M. Cacou. Au niveau des améliorations du garage, on veut rendre notre espace de mécanique plus performant. Donc, mettre en place la construction d'une fosse de réparation mécanique. Si le conseil se rappelle, l'année dernière, on était parti en appel d'offres. Malheureusement, on n'a pas eu de soumissionnaire. Donc, c'est un projet qu'on va quand même refaire l'année prochaine. À ça, on va rajouter un entrepôt multifonctionnel. L'objectif, ce serait d'avoir une station de lavage pour nos véhicules. Aujourd'hui, on n'en a pas. Un entrepôt de rangement, parce qu'il n'y a plus de place dans le garage. Et lorsqu'il a été fait, il n'y a pas eu de prévision là, pour le rangement des gros outils. Donc, on veut régler ce problème aussi au niveau du garage municipal. Et puis, un atelier de menuiserie pour nos menuisiers. Qui sera conforme et puis où ils pourront faire les travaux là, même depuis le mois de mars, au chaud. Au chaud. C'est bien, c'est très, très bien. Donc, au niveau de l'amélioration du garage, c'est prévu pour 2021, rien 2022, 2023, donc pour un total de 645 000, évidemment. Infrastructure routière. En 2022, si je peux préciser, en 2022-2023, la raison pour laquelle on n'a pas mis de prévision, c'est parce que on estime que là, on sera rendu maintenant à aménager l'espace qu'on a déjà à disposition. Ouais. Donc, on va être plus sur de l'aménagement terrain, pas sur de l'investissement en infrastructure. Très bien, merci. Infrastructure routière locale, donc 2021, 4 millions. Rien de prévu 2022-2023 pour l'instant. C'est un montant, évidemment, qui est quand même élevé, n'est-ce pas? Mais c'est la suite là, qu'on vous avait parlé là, quand même à plusieurs reprises, là, la suite du programme. Donc, ce qu'on a constaté là, à l'automne là, 2020, il y a eu des travaux de réfection qui ont été faits. Donc, c'est le volet là, supplémentaire, lequel est subventionné à 75 %. Donc, pour un total de travaux publics en 2021 de 4 962 000, en 2022 de 601 000 et en 2023 de 447 000. Pour un grand total, travaux publics sur les trois prochaines années de 6 010 000 $. Hygiène du milieu, aqueduc, traitement des eaux usées, mise aux normes des équipements, donc 439 500 $ en 2021. Au fait, c'est la station de pompage, le PP3, qui s'est terminée. Donc, il reste encore là, les montants à décaisser. C'est bien ça, Madame Négari. Renouvellement des conduites pour la rue à Bonfils. Donc, 2 millions en 2021. Et les eaux usées de Val-d'Espoir sont prévues pour 2023. Au fait, 2022-2023, c'est vraiment là, avec tous les échéanciers. On a eu des bonnes nouvelles là, du ministère de l'Environnement. Maintenant, il reste encore des réponses à recevoir du ministère des Transports, donc du MTQ, ce qui fait en sorte là, qu'avec les échéanciers qu'on peut avoir, ça ne pourra pas être réalisé avant 2022, mais probablement aussi décaissé en 2023. Si on est chanceux, ça va commencer à la fin de l'automne 2022, mais on pense plus là, réalistement que ce sera 2023. Un jour. Un jour, M. Warren, un jour. Donc, pour un total d'hygiène du milieu en 2021 de 2 439 500 et zéro en 2022, et ce qui nous amène là, en 2023 avec le projet des eaux usées de Val d'Espoir, pour un total de 2 814 978 et un grand total là, triennal de 5 254 478. Aménagement, urbanisme et développement. Création d'une zone industrielle innovation, 2021, 100 000 $. Aménagement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes, 75 000 en 2021.
Centres communautaires, 72 000 qui sont, je veux quand même donner les détails, l'aménagement autour du centre communautaire de Cap d'Espoir, l'aménagement extérieur qui fait suite au fait au concours de Mme Jessie Landois là, qui avait gagné le concours de la MRC pour l'aménagement d'un terrain de volleyball. Donc, on en a profité pour faire un aménagement extérieur aussi qui a été prévu pour 50 000. Au fait, je pense qu'il y a un total de 60 000 $ et 72 000. L'autre 12 000 $ ça va à Bridgeville pour les installations sanitaires, là, septiques. Parc Saint-Georges, Bridgeville et Cap d'Espoir. Donc, encore une fois, c'est les haltes routières. Non, au fait, c'est pas que les haltes routières. Ce sont les parcs municipaux pour un montant de 90 000 en 2021. Quai de Barachois, 277 390 en 2021. Enseigne, 25 000. Ce sont les enseignes Ville de Percé. Oui. Donc, à l'entrée et à la sortie. Exact. Et entrée et à la sortie. Exact. Au fait, donc, dans les deux sens pour sur le territoire de la Ville de Percé. Oui. Eux sont dus. Je pense que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ensuite, véhicules. 80 000 $ c'est de l'acquisition de véhicules de service. Et un VTT, 13 000 $ pour faciliter là aussi l'entretien des sentiers, ainsi de suite, Rivière aux Émeraudes, et ainsi de suite. Donc, pour un total d'urbanisme de 732 390 en 2021. Nous avons rien en 22, rien en 23 pour l'instant. Si, donc, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, la raison pour laquelle on n'a pas mis de prévision 2022 et 2023, c'est parce qu'on va présenter au conseil municipal un plan d'intervention sur les infrastructures de Percé, où on va pouvoir faire un détail clair de toutes les infrastructures et puis les investissements à prévoir sur les 3-4 prochaines années. Donc ça va venir soutenir notre PTI. Mais là, les projets qu'on a pour l'année prochaine, c'est un peu, si vous voulez, au cas par cas, le temps qu'on ait un outil adéquat pour améliorer notre prévision. Super. Merci beaucoup, M. Kakou. Donc, ça nous donne un montant total de 732 390 pour les trois années. Si je reviens au total 2021, 8 194 490, 2022, 851 000, 2023, 3 511 978 pour un grand total sur les trois années de tous les départements de 12 557 468. Donc, ici, on a quand même des gros montants, mais ce que je tiens quand même à mentionner qui est très important, sur le 12 557, 58 % est en subvention. Donc, il y a 7 338 624 qui sont prévus en subvention, donc qui ne sortent pas des coffres de la ville. L'emprunt est de 4 224 854, donc il correspond à 34 %. Ensuite, il y a le fonds de roulement de 100 % 62 000, des fonds réservés pour 100 000 et 731 990 prévus au surplus. Alors, voilà pour le programme triennal d'immobilisation. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, publication au point 4 de l'ordre du jour, publication du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation. Madame Vibert. Donc, en vertu de la loi sur les cités des villes, le budget, un document explicatif du budget et du programme triennal d'immobilisation doit être publié dans un journal. On a l'habitude de le publier dans le journal Gaspésie Nouvelle, le journal francophone et le journal de SPEC. Gaspé SPEC. Très bien. Merci, Mme Hubert. Au point 5, période de questions. Merci. Je sais quoi. Au point 5, période de questions. Nous n'avons pas de public ce soir dans la salle, mesdames et messieurs, alors pas de période de questions. Alors, écoutez, oui, au fait, absolument, c'est la dernière rencontre physique que nous tenons lieu. Hein. Alors, encore une fois, les vœux ont été partagés, mais je tiens encore une fois à vous souhaiter à tous et à toutes une belle période des fêtes. Ici présents, les gens à la télévision, soyez prudents. Je pense que on pourrait ajouter plein de choses comme pas en ajouter tellement. Soyez prudents, faites attention. Soyez
conscient de notre privilège. C'est quand même ce que j'ai mentionné dans nos vœux de Noël, dans mes vœux de Noël cette année. On est privilégié d'être dans cette belle région. Je pense qu'on va profiter du plein air cette année, des gens très près de nous, des gens dans notre bulle. Alors, écoutez, on vous souhaite une belle fin d'année 2020 et bon retour en 2021. Allez, au revoir. Qui lève l'Assemblée? Au revoir. Monsieur Warren, merci. Au revoir.